ras-le-bol entre moi et Julie. Très et je suis passée à qui ? À une très très jolie lune qui me tentait depuis longtemps. Oh là 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 là. À celle d'Afida. J'espère que c'est moi. La lune, la lune. Oh bah alors là, la... alors là, j'ai très peur parce que mais en fait, en fait, je veux dire quelque chose. Et là, c'est vraiment, c'est hors télé, c'est hors voltage. Je suis quelqu'un qui consulte beaucoup. Les médiums sont tous aux États-Unis. Mais là, je t'inquiète pas. Et les astrologues, et j'y crois énormément. Non, mais je suis sincère. Voilà. Donc, je suis donc, très, tu très me touchée. Diras, tu me diras si l'étude du 22 décembre sexuelle est bien, la, est bien on, la tienne. On y va, Annick, vas-y. Donc là, effectivement, Afida affiche la couleur, sensualité, chaleur, chaleur. On est bien d'accord, mais attention, jamais baiser sans aimer. Afida oh est une grande amoureuse. C'est love, 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 Afida. Et attends. Oui, il lui faut beaucoup d'amour. Ah, elle est en train de pleurer. Mais oui, et oui. Mais c'est alors, vrai, t'es trop forte. Mais oui, ah, c'est ça d'abord. Elle c'est est aimer. Connard. Avec qui je suis sortie, vous m'avez fait la maldonne, vous allez payer. Parce que moi, je voulais. Exactement. Je vous jette un sort de mais la ils ont rien compris. Ils ont rien compris. Parce non, que Afida est très, très sexuelle et très endurante. Oh, oh. Mais, à condition d'être amoureuse, elle donne tout à son homme. Pourquoi tu me touches comme ça ? Seulement à son homme. C'est vrai. Mais alors, qu'est-ce qu'il est heureux, celui-ci. Ouais. Et en plus, la nourriture fait partie des préliminaires. Oh my God. Ouh là 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 là, mais elle aime manger. Je fais manger, le dîner, je fais les tables, les chandelles, oui. Les barésies, et tu la sais que j'ai eu une vision pendant, en vrai, étudiant ta lune, mais une vraie vision. Tu étais face au fourneau, tout délicieusement nue. Et pendant que la blanquette de veau mijotait... Ah, mais c'est ce que j'ai cuisiné en plus, à un moment donné rendez-vous. Bon, il est jamais revenu, ce salaud. Ton homme t'en prenait violemment sur la table. Pendant que ça mijotait, alors c'est sur la table, mais ça peut être à quatre pattes par terre, enfin on s'en fout. Afida connaît le Kama Sutra par cœur. La brouette japonaise, le collier de Vénus, tu connais ça par cœur, elle ma est coquine. Fantastique. Hein? Non, c'est vrai, ouais. Donc, attention, toujours avec ton amoureux. Toujours avec ton homme. Jamais un stranger. Allez.